Salut à toi, amis des lobbies. Aujourd'hui, nous allons œuvrer ensemble pour la déforestation. Thème sérieux, ton décalé, deux ingrédients clés pour une web série à succès. Son nom, Amis des lobbies, une production 100% Aveyron qui frappe fort et dénonce les dérives du monde et ses conséquences sur notre environnement. À l'origine du projet, Jérémy, réalisateur inspiré et surtout citoyen indigné. Ok, quand tu veux. C'est d'abord les thèmes qui nous tiennent vraiment à cœur. Moi, j'ai commencé avec la déforestation parce que c'était vraiment une chose qui, pour moi, est insupportable. Par rapport à ces thèmes qui nous tiennent vraiment à cœur, ben, on va chercher des tonnes de sources. Donc, c'est vraiment l'étape la plus longue de la websérie, c'est la recherche des documents. Dans les sujets abordés, tout y passe, la science, la chasse, les pesticides ou la mode. Dans les rôles principaux, un affreux lobbyiste, dandy et une chercheuse corrompue. En France, seulement un tiers du textile est collecté et trié. Le reste, c'est poubelle! Il ne faut pas garder ses vêtements trop longtemps. Regarde, j'ai acheté cette veste l'année dernière. On sent bien que c'est très très grave et du coup de le traiter avec humour, je pense que les gens en ont besoin en fait. Ça dédramatise un petit peu tout en gardant le côté fort du propos. Et du coup ça parle, j'ai l'impression que c'est plus facile d'accès pour les gens. Amis des lobbies a trouvé son public, déjà plus de 2,5 millions de vues en à peine quelques mois. Il faut tout de suite faire croire que les journalistes se disputent entre eux. Bref, tu dois créer une controverse. Sur France Télévisions, bien sûr.